Salut à tous et demain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Oxygène Not Include Space Out. Il y a eu une petite mise à jour qui a eu dernièrement qui ajoute 2-3 trucs. Alors je saurais pas trop vous dire quoi. Parce que j'ai pas en tête bref, en gros c'est gros câlin et compagnie, super rapide de faire des habits, je sais pas quoi. Donc on peut avoir du linge en plus, je crois, ou je sais pas trop quoi. Bref, on est parti. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait qu'avec Miss on fasse un petit peu des vidéos? Alors ça serait de temps en temps, hein. Par rapport aux séries que l'on regarde, partager nos avis, ce que l'on trouve correct et pas. Alors sachant que Miss, elle est extrêmement, comment dire, elle est très 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 niveau film d'horreur, d'épouvante, hein. Elle est extrêmement comme ça. Donc ça veut dire que ça serait énormément ce genre de film. Donc les films de zombies, des choses comme si. Bon, c'est parti. Alors, nous avions découvert la salle de téléportation. Ouais, il n'y a rien à faire là-dedans. Alors, la chose qui est compliquée avec cette merdouille. Donc ici c'est réceptacle, ok. Bon, il faut un réceptacle et un machin. Voilà. Donc on est où? On est là. Bon, on va laisser découvrir tout cela. Ça va, d'un côté c'est pas très très loin, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Après, je mettrais bien un petit un petit truc comme ci. Ah, oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est de la merde, ça.
C'était là que j'avais pensé à faire. C'est fort possible, tu vas me dire, mais. Paye, c'est nouveau ça. Paye. Réaction au stress, Benchy, c'est quoi? Ah putain. La traduction française, elle est super productif. C'est quoi ça? Soigner, rechercher, opérer. Petite vessie, ça me dérange pas. Attestat irritable. Alors j'ai pris la duplicant parce que effectivement il va me falloir un petit peu plus de main d'œuvre là vu qu'on a découvert le. Le bordel là. Spacieux, d'accord. Alors. Pourquoi j'ai pas continué à décaler d'art en fait? Alors, 3 là, 3 là. C'est pas grave. On est d'accord que c'est 2, 2. Pourquoi je me suis planté là? Complètement con. Ensuite, temps de détente. Et on va y mettre
Mima. C'est ça, Mima. Elle arrive à pouvoir dormir direct. Elle n'a pas de lit. Elle n'a pas de lit. Ah ouais, elle n'a pas de lit. Ça chie. Eh ben. Ok, on va lui faire une chambre. Que ce soit une habitude par contre, hein. Tout ça en priorité 9, bien évidemment, parce que sinon ça serait pas marrant. Font ça. Problème que j'ai, c'est que
C'est vrai qu'on a en vitesse x2. C'est peu aussi. C'est vrai que j'ai un truc juste là aussi derrière, je dois faire attention. On va atteindre. Non? Si, là. On va atteindre le pétrole. On a même du pétrole là. On pollue, ok. J'avais un petit peu à 75 degrés. Bien, 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 bien. Ok, bon.
Pardon. De moi, merci. Ta race, le jeu. Ah, merde. Ils me font chier là, sérieux, sans déconner. Alors attendez, parce que je sais plus comment on fait quand c'est comme ça. Il y a une tombe ou je sais plus quoi. Station, non. Mobilier, potentiellement. Oh la vache. Sans déconner, quoi. Ça, parce qu'ils se sont pas grouillés le cul, quoi. Bon, après, c'est parce que j'ai pas fait attention. Soin. Non, mais pas en... Bon bah un premier duplicat en bord, ils vont tous me casser les couilles maintenant. Vous avez pas idée. Bon. Voilà. Ils vont plus me casser les bonbons maintenant. Ah, mais non.
Oh putain, mais qu'est-ce que ça me casse les bonbons, ça? Ouais, le stress que je le ramène à chaque fois. Vraiment que je fasse gaffe parce que c'est pas bon pour eux ça. Dire que ça va être un petit peu plus grand. Non, s'il te plaît, va pas te coincer. Raffinerie. Faut juste que je me rappelle comment on fait. Raffinerie de pétrole. Alors, ça prend du pétrole brut. Alors je pense pas que ce soit dans cet épisode hein, qu'on ira tout de suite sur l'autre planète, hein, de toute façon le temps qu'ils finissent ça. Et que bah du coup il faut que je récupère encore un nouveau duplicant. Yodeler, c'est quoi ça encore? Parce que c'est un yodelé, donc on verra bien.
Alors, par contre, il était dans quel horaire celui qui a canné? Eh ben, il devait être dans la première horaire, je pense. C'est ça, première horaire. Comment on le capture celui-là? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que je peux arnaquer un peu de jeu? J'explique. Si je fais ça. Et si je fais ça. Ça, je crois que c'est tout, hein. 9. Est-ce que ça marche?
parce qu'il est en train de crever en plus, c'est ça le pire. Je vais stresser, tant pis. Tu vas m'amener mon flasque, bordel de merde. Je sais pas. Pourquoi il ne veut pas? C'est peut-être qu'il ne peut pas. C'est possible aussi. Base de données. Bestiole. Flasque. Ah, les flasques. Lui, il donne carrément du pétrole déjà truc. Alors moi, je voudrais savoir comment on récupère ces putains de bestiaux.
pas comment on les capture. Pas chiant ça. Comment je fais cette merde? Plastique, forcément. On ne peut pas les tuer. On va faire comme ça, hein. Chier. Bon, réfléchissons. Il me faut du coup. Ce qui me faisait peur. Bon. Alors.
goût à chaque fois. Pétrole brut. Ok. Oh merde, j'ai pas vu l'heure. Bref, on va s'arrêter là. Alors, je sais que sur Oxygen Not Include, je ne parle pas beaucoup, même vraiment pas. Le souci, c'est que effectivement, je suis plus dans la réflexion. Je découvre encore pas mal de choses sur le jeu, surtout que là, c'est Space Out et que je ne connais pas tout. Déjà sur le premier c'était pas extrêmement fiable, mais là encore moins j'ai envie de vous dire. Donc effectivement trop à mon avis là. Donc voilà, donc honnêtement moi sur mes parties perso j'ai fait une planète sans avoir fait une seule fusée. J'ai pas eu le temps de j'ai pas encore été jusqu'au point de faire une fusée donc je ne sais pas du tout comment c'est la manœuvrabilité de tout ça, je sais pas trop comment ça va se passer.
J'essaie de faire au mieux. Et puis ma foi, ben, on verra bien. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.